Ouvre les yeux, Link. Bonjour, mesdames, messieurs. Mais laisse-moi dormir, s'il vous plaît. Et c'est une victoire pour Kazan. Ah, il m'a mis une tatane. Je rêve. Je trouve que c'est pas du tout comme ça qu'il fallait faire, mais je l'ai fait. Arrête de tout escalader là, c'est frénétique là, c'est trop. Ok. Ah, si, ça fonctionne. J'avais un plan, je voulais sauter sur le vent pour monter, prendre de la hauteur et arriver. Je vous jure, j'avais un plan. Vous pouvez pas comprendre. Dans le train, j'étais à côté d'une fille d'à peu près mon âge. On a sympathisé parce qu'elle est arrivée en retard et qu'elle arrivait pas à mettre sa valise. Enfin bref, on a discuté toutes les deux suite à ça. À un moment donné, elle me dit « Excusez-moi, que vous auriez pas un stylo ?» Déjà, elle m'a vouvoyé, ça m'a énervée. Je pense qu'elle devait être un peu plus jeune peut-être. Et du coup, je lui ai dit « Ah oui, bah j'en ai un. » Donc je prends mon sac à main, je fouille et tout, je trouve le stylo. Et là, je sais pas, en fait, parfois il y a une petite voix dans ma tête qui me dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Et je sais pas pourquoi je fais ça. Je suis toujours dans l'échange. Et après, je dis un truc et je suis en mode « Pourquoi j'ai dit ça ?» Donc là, je lui dis « Oui, j'ai un stylo. » Et je lui dis « D'ailleurs, je l'ai trouvé par terre dans les toilettes. » Pourquoi tu en rajoutes? Pourquoi tu dis que tu l'as trouvé par terre dans les toilettes? Genre, c'est pas possible, tu peux pas faire ça! Donc bref, je lui donne. J'étais en mode, tu veux du gel antibactérien? Je l'ai trouvé dans les chiottes, mais j'ai du gel, si tu veux. En plus, il a paillettes. Et du coup, aujourd'hui, j'ai mangé une quiche épinard. Nat a reçu pour ordre d'enlever un vêtement. Il a enlevé une chaussette. Panique pas, t'as qu'à enlever une chaussure. Qu'est-ce qui te fait dire que je panique? Il a bu une nouvelle gorgée de punch. Peut-être qu'il boit la gorgée de punch pour se donner du courage et peut-être... Ah! Il m'a ramené contre lui pour me donner un baiser plus pressant, plus sensuel. C'était comme si mon sang s'était mis à bouillonner dans mes veines. J'ai glissé mes doigts dans ses cheveux, caressant sa nuque. Ouh là là, jeunes gens. C'est un lycée ici, faites-moi le plaisir de contenir vos ardeurs. Où est la honte? Vous n'êtes pas ici pour batifoler. Désolé monsieur, on allait s'en aller. Non, vous alliez pas faire ça. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue en direct d'Angoulême. Je me suis prise pour Spielberg avec le hors-champ au début du live et ensuite je rentre dans le champ. J'espère que vous avez kiffé. On est en live sur ma chaîne ainsi que sur la chaîne de Glénat. Attends, il y a des gens armés qui passent derrière moi. What the fuck, ça rigole pas du tout. Je les avais absolument pas vus. Elle a sa propre sécurité. Militaire, mais fan de BD avant tout. Et mon professeur, ça a été Alessandro Barbucci. Il a connu en France, il a fait Ah oui, mais c'est pas celui, j'ai peur de dire n'importe quoi. Il a pas fait les Witch? Oui, bien sûr. Ah oui, voilà. Elle a écrit le demi de livre de Witch. C'est vrai? T'as écrit, mais moi je suis fan des Witch. Quand j'étais petite, j'étais abonnée à Witch Mag. Je recevais le Witch Mag tout le temps. J'adore les Witch. Alors, dans le Ultiaverse, c'est pour les poufs, ça ou pas? Je sais plus, je confonds. Mais quoi? Mais il faut que je sample ça? Très bien, alors il est temps de conclure une fois pour toutes ce débat entre les Witch et les Winx. Moi qui n'en connais aucun, je vais donc rendre mon verdict. Le générique de Witch est mieux. Voilà. Ouais! Ouais! Le générique de Witch est mieux, il a dit, regardez, écoutez, on le redit. Le générique de Witch est mieux. Le générique de Witch est mieux. Le générique de Witch est mieux. Voilà. Je me rends compte que Breath of the Wild n'est plus dans sa boîte. À ce moment-là, je garde mon calme. Plus j'ouvre des boîtes, plus je suis en mode « j'ai pas le jeu ». J'appelle Raphaël de la boîte com. Raphaël, j'ai un live prévu sur Breath of the Wild aujourd'hui, c'est un donation goal du The Event. Je sais pas pourquoi je lui raconte tous ces détails, toujours pareil, toujours la même chose, je sais pas pourquoi je fais ça. Je voulais savoir si t'avais pas une clé en DD. Et là, en une heure, c'est impossible. Là, je fais « Là, à ce moment-là, le fait que Raphaël soit avec moi au téléphone, c'est absolument pas mon problème. Et je fais « Attends, il est peut-être dans ma deuxième Switch. J'ouvre la Switch et là je fais « Ouais, il est là, oui !» Je crie.
Je pense que je lui hurlais dans les oreilles à ce moment-là. Et je lui dis, tu vois Raphaël, c'est trop important qu'on ait vécu ça ensemble. Et genre il fait, ah oui c'est clair. Je vais être la risée de la machine à café, c'est sûr. Non. Et si je fais ça? Attends. Alors peut-être. Attendez, je peux pas me laisser faire. Je peux pas me laisser faire, c'est pas possible. Arrête. Mets-toi bien. Ouais, oui. Oui. J'ai eu le temps de manger et de revenir. Non, me dites pas ça. Je peux pas laisser faire. Mais je l'ai mis dedans ! Non. Personne n'a encore refusé un cage. Dans un état second, j'ai avancé ma main pour faire tourner la bouteille. Mon seul espoir est que ça tombe sur Nathaniel. Oh ! Ah ! Let's go ! Voilà ! Enlève ton t-shirt à nouveau, Nathaniel ! Comment je vais me sortir de cette situation ? Non. Ce jeu va trop loin, je pense. Ce n'est pas correct, ce genre de gage. Il sait pas que Lisandre et moi on est ensemble. Dit-elle devant son mec, mais c'est bon, oh ça va, on peut embrasser un mec pendant le jeu de la bouteille. Lui ça fait 12 fois qu'il me voit essayer de faire ça, je pense qu'il va me prendre pour un dingue. Il va se dire mais elle est zinzin elle. Don't let your dreams be dreams. Just do it! Excusez-moi, j'ai besoin d'un petit temps de repos. D'ailleurs, ton statut Discord indique Ultia stream à poil. C'est bizarre. Et bah parfait, ça va faire du clic, regardez. Nickel. Ultia stream à poil. Regardez, là je suis invisible. Ah. Donc là, je me suis cogné la tête. C'est ce qui s'est passé. Giflé! Il me respecte pas du tout! And the battle continues. On essaye de prendre notre revanche, ok? Ouh! Run. Ah! Ok, c'est pas maintenant, c'est bon! Non, je suis deck. Je reviendrai me venger, promis.